encore ma pompe. Les autres sont allés passer. Voilà pour vous.
Oh!
Pour protocole observé, nous sommes réunis ici, je pense que tout le monde connaît, mais permettez-moi de m'interroger en tant que philosophe de la mort. Bien sûr, nous allons nous inspirer de la tradition judéo-chrétienne, l'ordre dans lequel nous sommes tous soumis, de nous poser la question sur l'existence. Mais nous n'aurons pas de réponse. Même des grands penseurs de l'époque médiévale qui ont essayé d'élucider la mort n'ont pas pu. Mais la mort, où est ton existence? Où est ta force? Si tout nous arrache notre Yalili, si tu nous arraches ces jeunes hommes pleins d'avenir, j'ignore, et son épouse, ça restera des questions qui seront difficiles à élucider. C'est peut-être ce que nous appelons la verticalité existentielle de la vie. Qui pouvait s'imaginer qu'on vive des moments pareils? On dirait qu'on est dans un film de fiction. Mais c'est la réalité. Même si je lis les grands penseurs de Saint-Augustin du monde médiéval, ça sera difficile. C'est un peu difficile et mon cœur est plein d'émotions pour donner les programmes, les agencements de ce programme. Mais quelle cruauté de la mort, où le monde entier a parlé, les réseaux sociaux ont relayé l'information, où on est resté bouche bée. Chers frères et sœurs, je dis bien que nous allons enterrer nos morts dans la tradition judéo-chrétienne. Et nous allons vous donner quelques articulations de ces programmes. Je pense après l'exposition des corps, nous aurons les intervenants. Mais si tout le monde voudrait parler, peut-être moi je pouvais parler plus de Yalili, ma sœur. Imaginez être grandir en Bandaka. Mais les autres aussi voudraient parler des juniors, mais on peut passer l'éternité ici pour parler de ces gens. Mais on va se limiter. Donc, comme intervenant, nous allons appeler les amis des juniors. Et le temps doit être court. On ne doit pas donner beaucoup de minutes. Et après, ça sera M. l'abbé Emmanuel Eyenga, l'aîné de la famille Njoli, qui va parler, et il sera suivi par le professeur Jacques Njoli, qui va parler également. Et interviendra les absoutes. J'ai dit que nous allons nous soumettre à l'ordre de la tradition judéo-chrétienne. Les absoutes, et les koloba, bakose senzo toya bawei, bakosambe la pona bango, pona bupemi la bango. Et ça suivra l'exhortation du pasteur Marcelo, qui va exhorter le peuple de Dieu ici présent. Nous savons qu'on est affligé, on est affecté. Pasteur Marcelo a copé ses bisous, il est bien moulin, et paix ses bisous, Zoto, Makas, et paix sans bisous, Gouya. Et puis ça suivra. Les dépôts des gerbes de fleurs. Mais les dépôts vont se faire dans un ordre établi. Et après ça, il y aura un mot de la famille. Nous allons aller déposer dans l'éternité nos morts. Honorable, Excellence,
Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, grand merci à vous tous d'être présents, d'être avec nous dans ces moments de dire et prêtre. Votre présence nous réconforte. Votre présence, c'est un signe d'intersubjectivité relationnelle entre vous et la famille Joly et Ituku. J'ai dit. On m'a demandé d'intervenir. Je vais intervenir une seule fois avec la prière des absoutes. Je suis prêtre. La meilleure façon d'enterrer ma sœur, c'est la prière. Je laisserai la parole de la famille. Il faut prendre la parole pour la famille, à mon jeune frère, le professeur. Les amis des juniors. Partir un ami sans lui dire au revoir, je vais tenter de surmonter la peine pour m'exprimer, pour te parler encore une fois, une dernière fois. Avant toute chose, je veux dire que tu étais l'ami de tout le monde, désintéressé, un ami généreux, bon, chaleureux. Tu étais aussi un homme croyant. Je sais que chaque jour, à midi, tu rendais grâce à Dieu. Chaque jour, quoi qu'il arrive, à midi, tu rendais toujours grâce à Dieu. Dans nos Mayangani, tu nous rappelais toujours d'avoir foi en Dieu. Tu étais l'ami de tout le monde, l'ami de grands frères, ami de nos petits. La seule chose qui importait à tes yeux, c'était la personne que tu avais devant toi. Toutes et tous réunis ce matin autour de vous, Junior, Jared, Jolie, Maman Lily, nous pouvons témoigner que ton cœur grand ouvert et qu'il était immensément accueillant. Enfin, vous allez beaucoup nous manquer. Tu as su être là, près de nous, dans les moments difficiles. Tu étais pour nous un vrai moine à cela. Constant dans tes principes et lucide dans tes conseils. Toujours serein, toujours fier et apaisant. Et surtout, je le redis, fidèle parmi les fidèles. Dans tout ce que tu faisais, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu as suscité partout l'adhésion de ton amabilité et de ta bienveillance. Tu étais unanimement apprécié tant par tes collègues de Yembou et les personnes qui ne te connaissaient pas. Ta vocation était de servir, d'être utile, d'aider et de trouver des solutions. Cher Junior, mon ami, ces instants si émouvants, je me souviens d'une expression que tu aimais employer, par exemple pour conclure une conversation. Tu avais l'habitude de dire il y a quelques jours, nous avons appris les uns après les autres le drame qui venait de se produire. Nous avons tous couru chez toi en espérant que tu trouvais ça et
Non, je pense que c'est juste ça. Autrement. Vous allez beaucoup nous manquer. Tu vois, beaucoup. Au nom de tous tes amis, nous ne t'oublierons jamais. Nous n'oublierons pas tous ces moments de joie simples et franches que nous avons partagés. Nous n'oublions pas l'exemple que tu as fait pour nous. Je veux ici adresser mes très sincères condoléances à toutes celles et tous ceux qui t'ont connu, apprécié et aimé. Mes pensées vont tout particulièrement vers ta famille, Makélé, tes frères et sœurs malheureusement absents. Sois assuré, Junior, que papa, tes frères et sœurs, ainsi que ta belle famille, trouveront toujours auprès de nous et auprès de moi soutien et amitié, comme nous avons toujours l'habitude de le faire. Junior, nous ne t'oublierons jamais. Reposez en paix. J'invite très respectueusement le professeur Joly pour les mots de la famille. Bon, je ne sais pas si je vais agir. Avant toute chose, je voudrais vous remercier tous pour cette marque de, d'amour, d'affection. Depuis que cette tragédie depuis que cette tragédie s'est abattue sur nous, on m'a demandé de parler au nom de la famille. Mais en fait, c'est ma famille. Certes, Lily, que mon père appelait affectueusement Lily Angèle, Marie-Madeleine, qui est née le 26 juillet 1965, allait avoir 55 ans. Mais c'est un être particulier. Elle nous a donné Julie et ses deux, sa sœur Bénédicte et son frère Exaucé. Mais Joly nous a mené un autre fils, Junior, que j'ai eu toujours difficile à appeler mon beau-fils, parce que son père est venu un jour à la faculté, me dit, je te donne cet enfant. Je ne savais pas qu'il allait devenir mon beau-fils. Et il y a eu ce petit prince qui est venu, j'arrête. C'est assez bizarre. Nous avons toujours eu difficile à dire à Lily de laisser le couple et leur enfant. C'était fusionnel. On ne savait plus parfois si Lily était la mère de Junior parce que tellement on ne sentait pas cette distance-là entre belle-mère et mon fils, au gendre, même pour l'enfant. Mais en fait, c'était son caractère. C'était une femme entière, disponible, serviable. C'était un peu le pont entre tous. Il savait construire l'amour, la vie. Alors que nous tous, nous avions des difficultés à nous rendre visite les uns et les autres, c'est elle qui faisait le pont, qui allait chez les uns et chez les autres. Et quand elle n'était pas là, on sentait que le lien s'est distendu. C'est lui qui était toujours à l'avant-garde de la recherche d'une unité, mais qu'elle construisait de manière naturel, parce que la joie, la paix, la sérénité, alors qu'elle était la cadette, c'est vrai qu'elle allait avoir 55 ans.
salut pour nous, parce que nous perdons un peu ces fils-là. Et nous ne savons pas comment ça va se reconstruire, parce que c'était un peu la providence de notre mère. Et c'est avec elle qu'elle montait des scénarios pour réconcilier les uns et les autres. Junior, comme je vous ai dit, c'était un fils. Il a été mon étudiant, j'ai été son directeur de mémoire. Et après, il est devenu mon fils. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas d'explication, sauf celle qui m'a été donnée par les enquêteurs, que c'était un accident. Nous assumons cela. Tout ce que nous demandons, c'est que l'amour qu'ils ont voulu irradier pendant leur couple de vie, ces jeunes couples avec leur enfant, et bien que cet amour continue et qui se repose tout simplement en paix sur cette terre de Mongapula qui les a vus naître, grandir, se marier, fonder une famille et mettre en lien avec la famille du colonel Papaïtou. Nous avons une pensée pieuse envers maman Kélé qui n'est pas là. C'est très dur encore pour elle parce que on va enterrer son fils à son absence, mais c'est la vie. Elle est dure, mais elle est belle. Et nous voulons garder plutôt la beauté de cette vie, avec ces fleurs que nous avons pu mettre sur leur cercueil, cette couleur blanche, n'est-ce pas, de l'innocence qui symbolise cet enfant. J'arrête. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux archives. Le révérend abbé Emmanuel va procéder aux archives des corps. Les absoutes, c'est la prière de l'Église. La prière de dernier adieu et de bénédiction des corps. J'ai été très impressionné par les quatre gerbes de fleurs qui sont là, qui sont certes le signe de l'amitié des uns et des autres, mais c'est aussi autant de trophées de victoire que nous apportons à celui-là même, qui est mort sur la croix et qui, par sa résurrection, est sorti victorieux de la mort, Jésus. Et c'est ce Jésus-là dont nous allons écouter les paroles, qui sont des paroles de vie, qui s'appliquent dans une circonstance comme celle-ci. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au 14e chapitre, du 1er verset au 12e verset, nous lisons. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place ? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. » À
acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, tu veux prendre avec toi ce que le Père t'a donné. Conduis nos chers disparus, tes fils et filles, jusqu'à leur demeure éternelle. Ils viennent de quitter cette terre des hommes. Accueille-les parmi ceux que tu fais vivre auprès de toi. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous la force de faire de notre vie une marche vers toi, qui est vivant avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi. Que le Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Nous avons beaucoup de cérémonies, de célébrations eucharistiques. Jacob. Et nous avons célébré en famille, en guise d'exhortation, nous avons invité les uns et les autres, tous les membres de la famille, à être enracinés dans la foi et dans l'espérance. Avec la tragédie, la situation, nous pouvons dire que nos chers bien-aimés, ils vivent dans l'amour de Dieu, désormais. Ils ne connaissent plus la souffrance, la douleur qui nous étreint, est due peut-être à notre sensibilité, nous qui restons encore ici sur terre, mais je crois que le premier devoir nous avons vis-à-vis d'eux, c'est ce que nous faisons maintenant, que nous allons continuer à faire tout au long de nos jours ici sur terre. Nous allons invoquer le Seigneur pour qu'il puisse nous purifier et nous pardonner de nos péchés, afin que notre prière puisse être une offrande agréable pour le repos de l'âme de nos chers disparus. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés, prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie, prends pitié de nous. Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Augmente aujourd'hui notre foi en ton Fils Jésus ressuscité des morts. Affermis notre espérance de la résurrection de Junior. Joli. Jared, Lily et Angèle, tes enfants et nos frères, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons bénir les corps et nous allons également ensorcer ces corps. La bénédiction du corps a un sens. C'est le rappel de notre baptême. Ce jour où l'eau du baptême a coulé sur les fronts de nos disparus. Et nous savons que ce jour-là, Dieu a noué des liens d'éternité avec nos défunts. Nos chers disparus. Les dons de Dieu sont irréversibles. Nous pensons que ce don qu'il leur a accordé ce jour-là, eh bien,
c'est ce qui leur donne la félicité éternelle. Ce qui nous donne confiance pour croire qu'ils sont dans la main de Dieu. Nous sommes ainsi fondés dans l'espérance qu'ils vont ressusciter les jours où Dieu ressuscitera les morts. Nous pouvons suivre attentivement le rituel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nos chers bien-aimés sont endormis dans la paix du Christ. Confions-les à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-les de notre prière. Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême. Ils reçoivent en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour aller avec nos frères et sœurs à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous un petit moment dans cette espérance. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Salve Regina, Mater Misericordiae, et adoptez vous, espèce nostra sante, porte j'ai appris la mort de cette famille dans ces conditions, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai voulu trouver dans la parole de Dieu un passage de la Bible qui parle d'un tel événement. Et c'est que je bénis Dieu parce que la parole de Dieu est complète et elle contient la réponse à toutes les questions. Je suis sûr que chacun de nous ici se pose la question: comment Dieu a-t-il permis cela dans la vie d'un homme qui craint Dieu, d'un enfant innocent, de deux servantes de Dieu? Pourquoi ils sont morts aussi atrocement? Parce que c'était très atroce. Je n'ai pas supporté voir les photos, j'ai refusé qu'on me montre parce que c'était insupportable. Comment Dieu peut permettre cela? C'est une question que chacun de nous se pose. Peut-être qu'on ne le dit pas, mais chacun de nous se pose cette question. Et voici la réponse. Dans Luc 13, verset 1 jusqu'au verset 5, la Bible dit ceci.
En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens. Qu'est-ce qui est arrivé à ces Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice? C'est-à-dire que des hommes sont allés adorer Dieu, ils étaient très nombreux, et Pilate les a tués et il a pris leur sang, il a mélangé leur sang avec le sang de leur sacrifice. Vous imaginez ça? Des gens qui sont allés à l'église pour adorer sont tués dans le temple et on prend leur sang, on le mélange avec leurs offrandes. Ils ne sont pas allés voler, ils ne sont pas allés tuer, ils sont allés adorer Dieu et ils sont morts dans la présence de Dieu. Et on vient voir Jésus, comment une telle chose est-elle arrivée? Et Jésus répond, croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Qu'est-ce que Jésus veut révéler? Que la manière dont on meurt ne détermine pas comment on a vécu. Je répète, la manière dont on meurt ne détermine pas comment on a vécu. Parce que les hommes établissent ce principe humain. Si tu as bien vécu, tu mourras bien. Ça, c'est nous, ce n'est pas Dieu. La preuve, Jésus le Saint est mort sur une croix. Alléluia. Amen. Les apôtres sont morts décapités, lapidés, sciés, brûlés, alors qu'ils étaient saints. Et lorsque nous voyons nos bien-aimés, on dira, mais comment Dieu a permis ça? Il nous répond, ces hommes sont allés adorer, ces hommes sont allés prier, pas voler, mais ils sont morts dans la présence de Dieu. Et Jésus maintenant ajoute, il dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Pour dire ceci, au lieu de vous poser des questions sur pourquoi et comment, posez-vous des questions sur votre éternité. Au lieu de dire pourquoi ils sont morts dans le feu, où étaient les anges, où était Dieu, Dieu te dit, réponds-toi sinon tu périras, pas par là, par le feu, ni par l'eau, mais éternellement en enfer. Alléluia. Parce que certains vont accuser Dieu, Dieu est méchant, Dieu est injuste, pourquoi ça? Mais Dieu te dit, prépare-toi, répands-toi au lieu de poser des questions sur les pourquoi et les comment. Et la Bible dit ceci, Jésus maintenant ajoute, ils sont venus poser des questions sur les Galiléens, Jésus maintenant ajoute, il dit, ou bien ces 18 personnes, ici il y a 4 personnes, mais Jésus parle de 18 personnes, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, eux la maison est tombée sur eux, mais il y a 18 personnes sur lesquelles est tombée toute une tour et qu'elle a tuée. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. En soi, voici la réponse de Dieu. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez également, pas par un accident, mais par le feu éternel. Au lieu de poser des questions sur les pourquoi et les comment, posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes en ordre? Est-ce que vous marchez dans la crainte de Dieu? Est-ce que vous avez reçu Jésus-Christ? Est-ce que si tu étais mort dans ce feu, tu serais allé au ciel? C'est ça la plus grande question. Alléluia. Amen. Et donc, voici ce qui est important pour Dieu. Ce n'est pas comment nous mourons, mais où nous allons. Amen. Ce n'est pas comment tu meurs dans le feu, dans un avion, de maladie, dans ton sommeil. Ce n'est pas ça la question, mais où tu vas lorsque tu meurs. Pour ma part, mes bien-aimés sont au ciel. Je connais bien cette famille qui s'est donnée à Dieu, qui craignait Dieu. J'ai une belle cuisine chez moi à la maison que mon frère a fait. Vraiment, c'était un homme loin de la cupidité, loin de l'impudicité, loin du vol, loin de l'orgueil. Et pour ma part, il a remporté la victoire parce qu'il a fini dans l'éternité. N'oubliez pas cela. J'aimerais finir en vous donnant ce verset rempli de consolation. 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 16. La Bible dit, car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ils ressusciteront
parce que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Et tel il est, tel nous sommes. Si la tête de l'Église a connu la résurrection, le corps également connaîtra la résurrection. Et au dernier jour, ils ressusciteront. Je répète, au dernier jour, ils ressusciteront. Même si la mort a calciné leur corps, mais la mort n'a pas touché l'esprit. La mort n'a pas touché l'âme. Le feu n'a pas touché l'esprit. Le feu n'a pas touché l'âme. Et ils sont à présent dans la présence de Dieu. Consolez-vous, car si Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons et ils ressusciteront. Nous les retrouverons. Nous ne les avons pas perdus. Ils nous ont dévancés à la maison. Ils nous ont dévancés chez papa, mais d'une manière qui nous a touchés. Mais ils nous ont dévancés quand même. Terminons, mes frères et sœurs. Lorsque nous voyons souvent des personnes mourir, nous disons peut-être lui, mais pas moi. Mais cette période de confinement vraiment nous a troublés, n'est-ce pas? Jamais je n'ai vu autant de morts dans cette ville de Kinshasa. Hier, j'étais ici encore pour un père qui était empoisonné. Et me voilà encore pour 4 personnes. Mes frères et sœurs, vous qui vous pensez être éternels, en ce temps de confinement, nous avons la preuve que nous sommes des mortels. Que tu aies des maisons, que tu aies des millions et des milliards, nous sommes tous ici éphémères. Et nous sommes des pèlerins sur la terre. Vous qui vous attachez à cette terre, tu peux dormir et tu meurs dans ton sommeil. Est-ce que vous avez donné vos vies à Jésus-Christ? Certains pourront mourir du Covid. Est-ce que vous êtes prêts? Certains vont mourir d'un accident. Est-ce que vous êtes prêts? Vous cherchez l'argent, vous cherchez la gloire, vous cherchez le succès. C'est bien cela. Mais le jour de votre mort, quel que soit ce que le pasteur dira, quel que soit ce que le prêtre fera, ce n'est pas ça qui va déterminer ton éternité. Tu dois te repentir pendant que tu es vivant. Tu dois donner ta vie à Jésus maintenant. C'est alors que tu auras la garantie de l'éternité. Mes frères et sœurs, j'ai la paix parce que mes frères sont allés au ciel. Mais ce qui me préoccupe, c'est vous. Vous qui êtes habitués à aller dans les deuils. Vous qui êtes habitués à aller et aller dans les deuils sans jamais comprendre que vous êtes des humains. Fait de terre, et quoi que vous fassiez, vous finirez par mourir, et au dernier jour, vous serez face à Dieu. Heureux ceux qui ont reçu Jésus-Christ pendant leur vie, car ils n'auront pas peur de la mort, et le paradis les attend. Malheur à ceux qui ont endurci leur cœur pour les choses de ce monde, et je te prie, mon frère, répands-toi pendant que tu es vivant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Et pour mon âme, je prie vers toi, Seigneur, et pour mon âme, que ton rayon se fasse à ton pied. Appel rapide pour des
personnes qui vont faire les dépôts de gerbes de fleurs. Je commence par leur excellence, leur honorable excellence. Honorable Gauchard. Honorable sénateur Rivando. Un peu aller de l'autre côté, vous me permettez de faire entrer le corps dans le véhicule. Vraiment, je vous en prie. Allez, vous tenez, moi, vous, si vous pouvez, toutes les cérémonies. La cérémonie est terminée. Hein. Je crois que vous pouvez déjà sortir pour nous permettre de faire le valoir. La famille.
Merci. Les dépôts de gerbes de fleurs terminés. Maintenant, nous devons nous préparer pour nous rendre au cimetière Mbeseke. Mbeseke, nouvelle cité. Après le cimetière, veuillez m'écouter s'il vous plaît. Après le cimetière, la famille Njoli et tous ses amis vont se retrouver à Bandal. Vous connaissez la règle. La famille Ituko vont se réunir à Mongafula. La famille Ituko à Mongafula et la famille José Lianda au quartier Mbeseke, toujours à Mongafula. Je crois que je suis clair. Maintenant oui. Maintenant oui. Ok. Merci beaucoup. Merci. Honorable, excellent, ainsi prend fin des cérémonies des obsèques de nos quatre disparus. J'invite honorable professeur Njoli d'autoriser la levée des corps pour le cimetière de Mbeseke, nouvelle cité où reposera dans l'éternité nos quatre disparus. Demandez aussi l'autorisation. Ah, papa est tout. Papa est tout. C'est papa et je demande tout. Également l'autorisation à papa Donné Touko, le papa des juniors qui présent, d'autoriser d'enlever les corps pour l'enterrement. Et José Lianza, pour sa femme aussi, parce que Jean Lili était marié. Alors, tu nous autorises. Vous nous autorisez? Alors, regardez. Je vous suis le premier. Thank you.
Voilà, au revoir.